Ça fait 4 ans, elle est derrière lui. Quand il est brun, elle comprend qu'il peut te remplacer. Et puis en plus de ça, mon morgue, il s'est amélioré, tout ça là. Non, elle est derrière lui. Elle est derrière lui. Elles aiment ça. Elles aiment poursuivre. C'est dans leur nature de poursuivre. Arrêtez de poursuivre les goûts là. Les gars, comment vous allez les gars? Voilà, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu un message d'un de mes gars. Il reçoit plein de messages de la même sorte en fait. Je suis avec la copine, mais 2 jours elle a commencé à mal me parler. Je suis avec ma femme, mais maintenant elle a commencé à être bizarre. Quand elle lui dit de faire ci, elle veut pas, elle m'écoute pas quand elle lui parle. En fait, ce qui se passe, c'est que tu es en train de perdre le respect de ta femme. Claire. Voilà, c'est ce qui se passe. Tu es en train de perdre le respect de ta femme. Et une fois qu'une femme commence à perdre, tu commences à perdre le respect d'une femme, faut savoir que son attraction aussi est en train de partir. Merci, Lava. Parce qu'une femme ne peut pas t'aimer si elle ne te respecte pas. C'est ce que les gens ne comprennent pas quand ils commencent à dealer avec les femmes. Ils cherchent l'amour d'une femme. Tu n'es pas censé chercher l'amour d'une femme. Il faut chercher le respect d'une femme. Une fois qu'une femme te respecte, elle va commencer à t'aimer. Vous voulez chercher son amour. Quand tu cherches son amour, son respect ne vient pas. Donc, elle ne t'aime pas même. Merci beaucoup. Tu comprends un peu? Donc, la plupart de ces situations-là, ce sont des personnes qui sont déjà en relation. Comme je vous ai dit la dernière fois dans ma vidéo, tu n'es pas obligé de quitter la petite même. Voilà. Sûrement qu'elle est en train de... Tu n'es pas obligé. Là, dans cette situation, tu dois la bras. Claire. Dans cette situation, il faut que tu la quittes. Parce que ce qu'elle est en train de te demander, elle est en train de te demander de me quitter. C'est ce que vous ne comprenez pas. Comme je vous ai dit, la communication est non verbale. Quand tu deals avec une femme, à un certain moment, elle va commencer à agir de manière bizarre. Elle va commencer à te faire chier. Elle va commencer à faire ce que tu ne veux pas. Parce qu'au début de la relation, elle ne faisait pas ça. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'elle sait bien se comporter. Bon, je te garantis qu'elle sait bien se comporter. Claire. Donc, elle commence à mal se comporter. Elle fait exprès. Elle fait exprès. Souvent, c'est à cause des shit tests que tu as raté, mais souvent, elle fait exprès. Elle fait exprès pour tester ta masculinité. Elle fait exprès pour tester tes options. Parce que ce qu'elle te demande, c'est de la quitter. Toi, depuis là, tu ne la quittes pas. Tu tolères ses maîtres, tu tolères ses maîtres, tu tolères ses maîtres. Si elle te quitte, il faut que tu comprennes ça. Quand tu tolères ses maîtres, tu tolères ses maîtres, elle est en train de te demander de la quitter, non? Toi, tu la quittes pas, non? Si elle te quitte là, tu peux plus la reprendre. Merci beaucoup. Si elle te quitte, tu peux plus la reprendre. Elle teste ta force, en fait. Elle teste ta force mentale. Parce que c'est là, on voit si tu es un homme fort. Je vous ai dit, la force est mentale. C'est à ce niveau-là, on voit si tu es un homme fort. Parce qu'un homme fort, c'est un homme qui peut dire, malgré que je t'aime, tu vas pas me manquer de respect, dégage. Thank you, my guy. Un homme fort, c'est un homme fort qui a, c'est un homme qui a saisi, c'est vrai, hein, je l'apprécie, hein, on a fait 15 ans, 20 ans ensemble, hein, mais elle ne doit pas me manquer de respect. Mon respect est plus important que les 100 ans qu'on a fait ensemble. Bébé, dégage. Thank you, my guy. C'est ça, en fait. Et quand tu lui montres là, que tu as la force de t'en aller, elle commence à te respecter. Elle commence à te respecter. À quoi ça vous dit? Zéro tolérance pour les mères des go. Quand une go commence à... Même si on se connaît, ça fait 1 semaine, 2 semaines. Si tu commences à me faire chier, je te laisse. Et comprends que plus en fait, elle fait des bêtises et tu mets du temps à la quitter, plus le manque de respect s'augmente. Mais si elle a commencé les bêtises en même temps que tu l'as quitté, elle va vite revenir vers toi. C'est-à-dire que quoi? Ça fait 1 mois qu'on est ensemble. En 1 mois, elle a commencé à faire des bêtises. En même temps, elle est quittée. Ça fait 1 mois pour qu'elle revienne. Ou peut-être 2 semaines, elle va revenir vers moi. Mais quand ça fait 3 mois, 4 mois, elle fait des bêtises. Et puis à chaque fois, tu la reprends. Tu ne l'as pas encore quittée. Elle comprend que lui, elle n'a pas d'option. C'est sa seule option. Donc, elle va te quitter. Merci. Vous voyez un peu? Le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que... faut remarquer, quand il y a des ruptures, et tu vois, la go parle mal du gars, elle n'aime pas le gars, c'est que c'est le gars qui l'a quitté. Donc le gars l'énerve. Quand le gars l'énerve, elle l'aime. Mais si c'est elle qui t'a quitté, il n'y a pas parlable. Merci. Quand la femme te quitte là, il n'y a pas parlable. Elle n'a pas de problème avec toi. C'est quand toi tu la bras, c'est là, il n'y a pas parlable. Merci. Remarquez bien, si c'est la femme qui a terminé la relation, il n'y a jamais parlable. Elle s'en fout, elle a déjà monkey brain sur quelqu'un.
Il faut comprendre, quand la go va vouloir te quitter, elle a déjà un kiki positionné. Elle a déjà une chambre positionnée. Elle a déjà un élément positionné pour te remplacer. Si elle pense à te quitter, elle a déjà placé tout ça là. Donc toi, quand elle commence à être bêtise, tu dois la bras. Bro, faut la bras. Il te confirme qu'elle va revenir. Il y a combien de personnes ici qui me disent que non, ça marche, ça marche. Et c'est ce qu'elle dit les gars. Écoutez-moi, quand la go commence à te manquer de respect, faut la bras. Merci beaucoup. Tu lui montres que j'ai des options. Le fait de la barre, c'est, ça lui montre que tu as des options. Ou bien ça lui montre que tu es en abondance. Ça lui montre que toi, il peut te remplacer. Ça lui montre que toi, il peut trouver quelqu'un d'autre. Parce que si la femme même commence à te manquer de respect à ce point-là, c'est parce que depuis ce temps, c'est parce que tu ne la rends pas jalouse. Claire. Je te jure. C'est parce que tu ne la rends pas jalouse. Elle a besoin de ça. Souvent, il faut la rendre jalouse. Parce que quand tu la rends jalouse, elle comprend rien. Lui a même à Nadia tourne autour de lui. Lui a même à Sephora tourne autour de lui. Quand on sort ensemble, il voit les gars là le regarder. C'est ma muse, il va partir. Elle va jamais te manquer de respect. Comme je vous ai dit, une femme sait que tu peux la remplacer. Yeah, il s'est gâté. Mais ta maman n'est pas gentille qu'elle. Claire, répète sa parole, Une femme sait que tu peux la remplacer. Même ta maman n'est pas gentille qu'elle. Elle est mal gentille. C'est parce que c'est pas que tu peux la remplacer. Qu'elle te fait chier. Donc là, il faut la l'étonner. Tu l'étonnes. Tu la bats. Il y a une petite qui est là dernièrement. Une petite qui vient. On commence à. Elle fait ses bêtises là. Elle pense que non, parce qu'on s'est parlé, on a bien kiffé. Donc c'est fini. Il y a les bras. Claire. Il ne veut plus avoir affaire à toi. Et le problème des gars, c'est que, en fait là, quand il la laisse là, il attend qu'elle revienne. Non, bro, quand il la laisse là, tu t'en vas, tu ne veux plus d'elle. Mais bon, après, il y a des gars qui veulent reprendre leur copine. Il n'y a pas de problème. Ça, il y a faute. Tu vois un peu. Tu peux reprendre ta copine. Parce que la majeure partie du temps, elle va revenir. La majeure partie du temps, je te garantis qu'elle va revenir. Si elle revient, tu ne peux pas perdre dans cette situation. Parce que soit elle revient et elle va se soumettre. Soit elle ne revient pas. Toi, tu passes à autre chose. Mais moi personnellement, même si elle revient, moi aussi, je passe à autre chose. Tu comprends un peu? Voilà, quand tu vis dans l'abondance, les beaux ne vont pas te faire chier. Il y a un de mes gars qui me disait la dernière fois qu'il y a un go qui lui a fait du mal, il a bras. Ça fait 4 ans derrière lui. Quand il est bras, elle comprend qu'il peut te remplacer. Claire. Et puis en plus de ça, mon moro, il s'est amélioré, tout ça là. Non, elle est derrière lui. Elles aiment ça. Elles aiment poursuivre. C'est dans leur nature de poursuivre. Arrêtez de poursuivre les gars là. Les gars, arrêtez de poursuivre les gars là. Les gars là sont faits pour nous poursuivre. Je m'en fous de ce qu'on te dit. Mais si ton papa te dit que tu dois poursuivre femme, moi je te dis qu'on ne poursuit pas femme. Un garçon ne poursuit pas femme. Un garçon ne poursuit pas femme. Un garçon poursuit l'argent. Un garçon poursuit le succès. C'est femme qui poursuit garçon. Voilà. C'est femme qui poursuit garçon. Commencez à penser que les femmes doivent vous poursuivre. Et moi dans ma tête, femme doit me poursuivre. Claire. Voilà. Claire. Femme doit me poursuivre. Si femme ne me poursuit pas, elle ne me veut pas, elle n'a qu'à aller se faire foutre. Parce que je ne peux pas poursuivre une go et puis elle va venir me faire chier. Non! Je ne peux pas faire ça. Si tu ne veux pas me poursuivre, ma petite, tu regardes ma vidéo, tu ne veux pas me poursuivre, faut aller te faire foutre. Anutier les vieux. Ici, c'est les femmes qui poursuivent les garçons. Garçons ne poursuivent pas femme ici. Non, j'ai l'argent. Thank you, my guy. Vivez-le. Au revoir, l'eau. Voilà. C'est toi, c'est bâton. Arrêtez de vous laisser manipuler. Elle ne veut pas faire comme tu veux. Elle ne veut pas agir de manière bien. Elle ne veut pas bien agir. Elle ne veut pas se comporter comme tu veux. Comme elle se comportait au début. Tu la bras. Tu la bats, bro. Il y a trop de femmes. Tant, du vélo. Ouais, les gars. Je reçois des messages de personnes me disant « Qu'est-ce que tu utilises pour ta barbe? Qu'est-ce que tu utilises pour ton visage et tout ?» Premièrement, voici ce que j'utilise pour mon visage, en fait. C'est très parfait comme savon à base d'ingrédients naturels, d'huile d'argan, qui va éliminer toutes les taches, tous les boutons, toutes les taches de cicatrices sur votre visage et même sur votre corps. C'est ce que j'utilise constamment et vous-même, vous pouvez voir comment mon visage est bien propre. Voilà. Deuxièmement, ce que j'utilise encore pour ma barbe, c'est l'huile magique. Comme on appelle chez Weaver Club, c'est l'huile magique. Ça fait pousser la barbe pour des personnes qui ont des barbes naissantes. Vraiment, avec l'utilisation de cette huile-là, ça va renforcer la pousse de vos
de votre barbe et aussi de vos cheveux pour les personnes qui veulent se faire pousser les cheveux. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens en bio pour pouvoir passer votre commande. Les prix sont vraiment abordables, les gars. Voilà, donc on est ensemble. Portez-vous bien.